Ça, c'est pas mal. En vrai, toutes les options sont OK. La seule mauvaise option, c'est si on touche ça et que ça touche ça. C'est quand même très précis. Je tiens à le dire, si vous avez rigolé, vous êtes une de très mauvaise personne. Hein. Je suis pas rassuré là. Moi j'ai rien vu, hein. Qu'est-ce que vous me dites qu'il y a quelqu'un derrière? Mais non, y'a rien. Magnifique! La chatte, non, pas la chatte, j'ai bien joué. Comment ça la chatte? Vous êtes blessant. Peut-être ça et on le garde en main. Excusez-moi. Mec, c'est quoi ça? Genre, il est où mon trinket bête là? Je m'en bats les couilles de ton trinket de merde, de bête aléatoire, c'est horrible! C'est les pires trinkets ça! Genre vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Ah, je vais level up, hein, écoutez. On va faire un goulag cabra doré, je pense. Hein. J'ai pas le choix. Autant pour moi. J'ai rien dit. Très très bon jeu. Ça me semble compliqué quand même. On va essayer de taper là-dedans et trouver Virevoltant. Ça changera pas grand-chose. Normalement, il tape first, il one shot. Du coup, il faut juste pas qu'il snipe Lisa. Ça va vous? C'est rigolo ça. C'est pas cool. Ah, ça c'est marrant par contre. Oh si, c'est rigolo. Après avoir manqué de chance toute la partie, d'une manière complètement injuste et abusée, sur mon dernier stack d'armes, Khadgar, tu es le GOAT. Oui! C'était écrit! One freeze. Vas-y. Va te faire foutre. Ah, vraiment, le jeu se fout de ma gueule. Oh, incroyable. Non, ça... Pourquoi je peux rien jouer? Qu'est-ce qui s'est passé? Well, fuck. Ta victoire! Yeah! J'essaie de faire le roi lion, mais c'est raté, je crois. Peut-être. Peut-être le deuxième géant? Oh! Il y en a deux! Il y en a deux des élèves. Putain! Non! Ça venait du cœur, ça. Putain, c'est pas possible! Et là, par contre, là, j'ai pas le droit de troll cette game, là. À ce stade, je n'ai plus le droit de troller cette game. Ah. Ah, je savais pas que ça marchait comme ça. La roue. Lance 4 sorts, ok. Impressionne-moi. Potentiellement, ça bouffe un serviteur de mon shop, genre Dracari, hein. De mon board, je veux dire, ce qui serait terrible. Oh mon dieu. Oh, ça m'a hint. Ça a transformé une 40-40 en 20-20. Ça va te faire foutre le jeu. Quand tu touches bien. Globalement, enfin, quand t'es dans des conditions idéales, quoi. Oh non! Attends, what? Oh, il la tue pas! Dum dum! Oh non! Oh le choke! C'est tellement stupide! J'aurais dû faire Hero Power avant, par contre, j'ai perdu de l'armure. Miss Order. J'aurais pu gagner 6 d'armure au lieu de 2. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de decks. Ouais. C'est pas vraiment nouveau, donc... C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'il montre? J'ai pas vu.
Il y en a qui se sont fait bonnes pour moins que ça. Il dégage, joue, Pikachu. Il joue deux. T'en as qu'un. Ouais. J'en ai deux DT. Tu veux TT? J'ai réalisé en le disant, excuse-moi. Ouais, on va le têter. Démarre les stats de fou. Allez, remballe. Remballe ta Kaamelott. Ça, c'est une vraie game, pas des pirates tout pourrax. Mekaman, il connaît pas le beatboxer. Non, Mekaman, il... Oh, 40, tiens, bombe dans tes dents. Quand t'étais en Dreamhack ou quoi, on t'attribuait une place au début de chaque match et t'étais directement en face de ton adversaire. Là où certains tournois, tu te positionnais dans la salle et tu bougeais pas du tout. Et Tom Hop, quand il avait l'étal, il faisait semblant de se prendre la tête en mode « Oh putain, c'est chaud et tout !» à la rope, il mettait l'étal, il regardait son adversaire droit dans les yeux pour lui foutre le seum. Et en vrai, il y a plein de gens, genre juste c'était mental boom derrière. Ouais, bah, ouais. Faut varier les plays un peu. C'est la merde là, ouais, bon, ça va être 1-1. Ouais. Oh, bon. Oh, ça ouais, j'aime ça. Je savais que t'allais apprécier ça pour le coup. Ça, j'applaudis. C'est le meilleur play du tournoi. Ouais. Et je pèse mes mots. Ça, non. J'hésite entre Tsunami. Tsunami va coûter 6 au prochain tour. Ça coûte 6 maintenant. En vrai, c'est beaucoup plus drôle de jouer ça maintenant. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Je pense que par contre, il y a des gens qui sont objectivement bêtes. Genre Manati. Il y a un exemple qui est parti. What the fuck? Je pensais pas qu'il allait avoir un exemple. Le problème, c'est qu'on met de plus en plus d'hydre là. Là, non. Ah, c'est ça, on a deux hydres. Oh, allez. Oh! Exceptionnel! Oh là 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 là! Ça, c'est troll dance ça! Oh là là, quel deck! Quel deck! C'était l'hydre musical. Hé hé hé! Je t'ai encore baisé! Faut que tu choisisses ta priorité. Soit tu dois nettoyer le board de ton adversaire avec porteur blessé, soit tu dois piocher des cartes avec clair cramoisi. Idéalement, tu veux faire les deux dans le même temps, mais c'est pas toujours possible. Ensuite, en mid-game, t'as deux options. Tu peux consolider ton board avec par exemple mixologue et des potions, et renforcer tes clairs, tes gemmes cachées vont soigner tes créas, et garder ton porteur blessé en vie pendant ce temps. Et empêcher comme ça ton adversaire de construire un board. Soit tu pioches Edanis et tu peux juste tuer ton adversaire en mid-game autour genre 6-7. Plutôt 7 en général, 6 c'est un peu ambitieux. Ça c'est ton plan de jeu en mid-game. En late-game, une fois que t'as dépassé autour 7 et plus, si ton premier plan de jeu n'a pas fonctionné, c'est-à-dire juste mettre de la pression et tuer avec Edanis, ben dans ce cas-là tu peux te rabattre sur un troisième plan de jeu qui est Amantul en boucle, jusqu'à ce que l'adversaire concède. Oh, je vais faire ça. Oh, elle est belle cette vedette. Mais il n'y a même pas la place pour tout. On va mi-saint et 5 quoi. Oh, Leroy. Boom, 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 boom. I want you in my room. Na 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 na. Boom, 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 boom. Merci la blague. Oh, c'est parti. Fais exploser la room. Allez, ne joue allez, pas. La room va exploser. Là. Non. Oh, oh. Oh la dinguerie!